Ainsi, les rumeurs se font de plus en plus pressantes sur la succession de pouvoir au sein du régime congolais. Christelle Sassou Nguesso devrait s'inquiéter pour son avenir politique, qui semble être compromise à l'avance. Il y a des faisceaux d'indices qui nous indiquent que le fils du dictateur congolais, qui veut briguer la magistrature suprême, n'échappera pas à un coup de force en l'absence physique de son père. On lui reproche son affiliation maternelle étrangère, mais surtout ses investissements vertigineux à Kinshasa. Christelle Sassou Nguesso dispose d'un patrimoine colossal en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine immobilier. Le Congo est assis sur une poudrière. Certains n'attendent que l'opportunité pour donner un coup de poignard décisif à celui qu'on qualifie de Zaïrois. Nous suivons de près cette nouvelle affaire de rivalité interne qui divise le cercle restreint du despote Denis Sassou Nguesso. Nous vous invitons à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à la droite de votre écran. Une vidéo qui vous donne le contour d'une guerre intestine entre Jean-Jacques Bouya et Jean-Dominique Okemba, député grand maître de la Grande Loge du Congo. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.